La tradition bantou repose sur la transmission orale qui est le témoin de notre histoire. Que faire lorsque les acteurs de l'histoire ne sont plus? Que faire lorsque ceux et celles qui sont encore vivants ont fait le choix de travestir la vérité? Cette histoire commence à Kinshasa dans les années 90, les années 90. Le professeur Marcel Liaou dirige la commission constitutionnelle de la CNS, la Conférence nationale souveraine. Il mène un combat acharné pour la justice et la démocratie. Mais il tombe gravement malade. Ainsi, c'est presque mourant qu'il est évacué vers les États-Unis. Son épouse, Madame Sophie Nkanza, sa fille aînée, Elisabeth, et d'autres membres de famille l'accompagnent sur le tarmac de l'aéroport de Njili. Il reste plongé dans un coma profond durant près de 2 mois. Sa seconde fille, Anne, veille à son chevet. Pendant ce temps à Kinshasa, la rumeur fait rage, car peu sont ceux qui croient encore à ses chances de survie. C'est à ce moment précis que Jean-Pierre Kalokola trame son scénario sordide qu'il déballe sur la place publique et au TGI, tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Il s'autoproclame fils aîné du professeur Marcel Liaou. Il affirme que son soi-disant père est frappé d'une incapacité permanente et demande que lui soit exclusivement confiée la gestion de tous les biens du professeur ainsi que tous ses salaires. Ceci se déroule pendant que Marcel Liaou se bat entre la vie et la mort à Boston. Quelques mois plus tard, le professeur Liaou sort fort heureusement du coma contre toute attente. Apprenant avec stupeur cette affaire, il mandate son avocat contre les manigances de Jean-Pierre Kalokola et son acolyte. Mais qui est donc ce Jean-Pierre Kalokola ? Jean-Pierre Kalokola est le fils de la concubine du professeur Marcel Liaou avec un autre homme. Lorsque le professeur Marcel Liaou la rencontre, elle est déjà mère d'un petit garçon en bas âge, issu d'une autre relation. Cet enfant s'appelle Jean-Pierre Pichou Kalokola. Il n'est donc pas le fils biologique du professeur, ni son fils adoptif. Face au tourbillon assourdissant des mensonges, médisances et calomnies, un témoin irréfutable s'impose. La parole du professeur Marcel Liaou lui-même. À toutes les autorités de la République démocratique du Congo, message adressé par cassette enregistré de Boston aux États-Unis par le professeur Marcel Antoine Liaou et moi, premier président honoraire de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo. Je vous salue, je vous adresse à vous tous mes civilités pour commencer. J'étais presque au bord de la mort et j'ai eu des soins intensifs. Il y avait donc en permanence ma fille qui est docteur en médecine, un médecin et des infirmiers autour de moi. Je suis choqué jusqu'au très fond de mon être par le contenu inqualifiable, bourré d'allégations, fallacieux de falsifications, de faits, de mensonges et hontés, d'inepties et de calomnies sans nom. Ces deux jeunes gens, sous les noms de Martin Botoulou et Jean-Pierre Kalokola, ces jeunes gens sont allés vous raconter des histoires. Ces bandits n'ont reçu aucune procuration, aucun mandat de moi pour gérer et administrer mes biens. Et c'est à un garçon pareil, un jeune homme pareil, serait confié la gestion et l'administration des biens d'un premier président honoraire d'une cour suprême. C'est moi qui ai envoyé une requête en tierce opposition à mon avocat, Maître Mbungu Bayanama Kadi Vyoki, qu'il saisisse le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe en recours en tierce opposition. C'est moi qui ai demandé que ces jeunes gens déguerpissent de ma maison.
C'est moi qui ai demandé qu'ils rendent compte de l'argent. Les 15 000 dollars qu'ils sont allés extorquer à la société Sicobois et qu'ils m'ont extorqué en installant dans mes immeubles des locataires dont ils ont reçu des versements de 5 000 dollars. Et vous voyez ça d'ici. Mais c'est ahurissant. Et comment vous laissez passer des choses pareilles? D'abord, mon épouse dispose le certificat de copropriété de l'immeuble de Binz, à Binz IPL et à Kingabwa USA. Ma femme Sophie Kanja et moi, nous sommes copropriétaires. Mais vous ne voyez pas que c'est immoral se permettre de s'emparer de mes biens, des biens de mon époux. En plus, ces jeunes gens sont des imposteurs. Pendant que mes filles, pour lesquelles j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes, de les faire naître, de les élever, travaillent. Ces jeunes gens ne connaissent rien de moi, de ma vie. Jean-Pierre Kalokola, Mwali Raou et Boua Libana Lamulengo, j'ai introduit un recours en tierce opposition demandant qu'il soit procédé à une analyse comparative de l'ADN. Pourquoi essayer par toutes sortes d'acrobaties de mentir au public? La justice a pourtant tranché. Je vous remercie bien de votre attention et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Ma femme Sophie Kanja et moi,